Alors, bah, pour le, on avait le livre de la semaine, on a aussi le buzz de la semaine, Julia, sur le web. Oui, exactement. Et très, très étonnamment, c'est Lina, notre amie Lina, qui est à l'origine de ce buzz. En 1968, face à la journaliste Denis Glaser, le chanteur et acteur Serge Reggiani répond à une question par un poème qui s'appelle « Enivrez-vous » de Charles Baudelaire. 50 ans plus tard, Lina ressort les images, les poste sur Facebook et la bonne nouvelle, 2 millions de vues. C'est énorme. Je vous préviens, c'est un immense plaisir, c'est un grand moment de poésie. Regarde. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Allez l'écouter dans son intégralité sur la page Facebook de Lina, s'il vous plaît. Merci, Julia.